cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat, as told by its professors. Des trucs, alors tu as des trucs qui marchent, bien sûr. Moi je pourquoi, pourquoi simplement pour dire c'est moi qui l'ai fait, vivant. Non, ça marche, ça c'est impeccable. Mais je trouve quand même on a tendance à oublier quand même ce qui est fait et ce qui est existant. Exactement. Hein, parce que tu regardes, base c'est la savate, et la savate tu gères par elle-même. Oui. Et ben il y avait des trucs hyper efficaces, hyper bien, mais ils étaient tellement efficaces qu'on les a enlevés parce qu'à limite ça devenait un petit peu ça enlevait la confrontation. Mais puis il avait un peu peur, hein. Attention, il va. Enfin, je veux dire, quand tu. T'es au corps à corps, quand t'es au corps à corps, tu vas chercher ici, chasser. Moi j'appelle ça le protège-tibien. Celui-là, il est vachement. Ils ont autorisé celui-là maintenant. Ouais. Ouais. Ils le font. Non, mais moi je sais. Mais moi je le fais ici, tu vois. Un peu comme au karaté, il l'appelle le fumikumi. C'est le fumikumi. Mais là, t'es bien parce que t'es en train de travailler. Tu descends, et si t'as les protège-tibiens, tu descends le protège-tibien. Et là, il faut arrêter de dire, hop, protection descendue. Tu l'as descendu volontairement, c'est pour faire quelque chose. Après, boum, un sac. Je m'appelle Jean-Paul Viviani. Je suis à l'origine prof d'éducation physique. Et j'ai découvert la boxe française par le biais d'un intervenant de la fédération qui s'appelait Marcel Lesseau. Marcel Lesseau et Patrick Auguet faisaient des tournées dans les différents collèges. Et à ce moment-là, je travaillais sur le Val d'Oise. Et donc Marcel Lesseau nous a donné les rudiments de l'activité et nous a incité à passer les premiers diplômes, c'est-à-dire le diplôme d'initiateur de boxe française. Donc, dépendant du Val d'Oise, j'ai eu comme premier prof, je ne me rappelle plus son nom, Roland Petit, qui était à l'époque CTD du Val d'Oise. Roland Petit nous a donc fait passer ce fameux diplôme et nous a incité à intervenir dans les différents cours que l'on pouvait avoir au lycée et au collège. Donc j'ai abandonné la boxe anglaise que je pratiquais à l'origine pour me mettre à la boxe française. De là, je suis parti sur Paris et j'ai suivi les cours de Michel Marlière, alors premier président de la Fédération de boxe française. Ces cours se passaient au centre sportif Jean Sarail, dit le Bullier, à Port-Royal, et aussi à la Cité universitaire internationale. L'enchaînement s'est fait logiquement, j'ai passé monitorat, puis le professorat, puis le brevet d'État. Mon objectif étant l'enseignement, chaque année j'ai changé
d'enseignants, de façon à avoir des enseignants de différents types, des combattants, des techniciens, des pédagogues. Et je suis passé dans les mains de Laurent Mercadier, ici présent, qui était jeune pratiquant. Et il avait 18 ans avec Hubert Abella et Richard Silla. Ils venaient d'avoir leur premier titre de champion de France Espoir à l'époque. Et puis, j'ai donc suivi ces différents cours de façon à progresser. Donc chaque année, une petite immersion dans un club différent de façon à prendre l'ambiance, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et bien sûr, j'ai lancé la boxe française dans le milieu scolaire. Je me suis occupé du Val d'Oise pendant 7 ans. Puis je suis parti sur Paris, j'ai fait la même chose. Et j'ai donc créé la boxe française au lycée François Villon. Puis au lycée Saint-Louis où, en classe préparatoire. L'enchaînement s'est fait. Michel Marlière, prenant sa retraite, m'a demandé si je voulais bien prendre sa succession à l'université. Et c'est comme ça que j'ai passé les 20 dernières années de mon enseignement à faire des cours uniquement en secteur universitaire. Donc cours de boxe française, cours de canne de combat, bâton. Et Savat de défense que nous avons lancé avec des étudiants et que la fédération par la suite a trouvé intéressante et a repris à son compte. Voilà, à ce jour j'ai pris ma retraite, je me suis retiré et je regarde l'activité de relativement loin. Bon, j'ai eu la chance d'être invité par Paul Buitron aux États-Unis. Voilà. J'ai donc découvert l'activité multiple qu'il pratiquait, où la référence fait appel à de nombreux sports de combat, arts martiaux, et c'est une synthèse de l'ensemble, chose que nous avons eu du mal à faire chez nous en France. Philosophie de la savate, c'est une école de vie, l'apprentissage du respect de l'autre, et bien enseigner, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'il faut avoir des valeurs et ne pas hésiter à s'opposer aux gens qui veulent faire du combat à tout prix, mais déjà ne pas brûler les étapes, arriver à suivre le cours logique, découverte technique, puis pratique de l'assaut, puis le pré-combat, si le pratiquant en a la motivation et les capacités, puis le combat. C'est un enchaînement qui doit se faire et en commun accord avec le pratiquant et l'enseignant qui le suit, son coach, quoi. Voilà. Bien souvent, c'est difficile de faire comprendre aux pratiquants ou aux profs que l'un des deux n'est pas au niveau et n'a pas les capacités pour.